grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je suis juste trop contente de vous retrouver ce soir dans la chambre des secrets. Et nous allons partager encore une fois des secrets inspirés par le Saint-Esprit. Et je peux t'assurer que tu as choisi le bon rendez-vous, tu es au bon endroit, au bon moment, parce que nous allons parler d'un sujet qui, ma foi, te préoccupe. Et je sais que ce soir, le Seigneur va te bénir par des réponses très, très puissantes à tes questions et à tes préoccupations. De quoi allons-nous parler ? Évidemment, encore une fois, relation homme-femme. Ce soir, je vais partager avec vous quelques secrets pour trouver et garder l'équilibre parfait dans une relation homme-femme. Si tu es honnête avec toi-même, tu sais que ce n'est pas toujours évident parce que les rapports homme-femme sont souvent qualifiés de délicats, voire de compliqués, parce que ce n'est pas du tout évident de trouver l'harmonie, de trouver l'équilibre, le bon fonctionnement et surtout de le garder. Tu vois que c'est ton rendez-vous ce soir. Et parce que c'est ton rendez-vous et que tu es consciente qu'une autre femme comme toi a besoin de partager ses secrets, tu vas juste envoyer une invitation, tu vas liker la page, tu vas partager cette émission avec d'autres sœurs, d'autres amis pour que tout ensemble nous soyons des femmes extraordinaires, des superwomen. Et bien sûr, nous ne pouvons pas être des superwomen sans notre Seigneur, sans le roi des rois, notre Créateur, celui par qui nous sommes et par qui nous pouvons toutes choses. Nous allons donc encore une fois lui confier ce moment, l'inviter à prendre le contrôle, à prendre toute la place dans cette chambre des secrets, afin qu'il puisse nous parler cœur à cœur. Alléluia. Tu vas donc prendre une position d'adoration, tu vas prendre la position qui te sied. Peut-être que tu es en activité ou au volant d'une voiture, mais le plus important, c'est de prendre la position d'adoration dans ton cœur. Nous allons donc plonger dans cette divine présence en invitant la présence du Seigneur à travers ce cantique qui dit « Jésus, ton amour est parfait ». Comme lui, nous avons besoin que notre amour se perfectionne. Et parce que lui, il est parfait, nous aussi, nous y arriverons. Merci Jésus. Merci Seigneur. Père, nous voulons te confier ce moment. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien, ô Dieu vivant. Viens être la force qui nous porte. Viens être l'énergie qui nous propulse, Seigneur. Viens être le rocher sur lequel nous nous tenons dans tout ce que nous faisons en tant que femmes au quotidien et particulièrement dans nos relations avec le sexe opposé, avec les hommes de notre environnement, avec nos hommes personnels. Ô Dieu, les hommes de nos vies, Seigneur, nous avons besoin que tu viennes, que tu nous enseignes et que tu nous portes, Papa, pour que nous puissions porter du fruit parfait comme toi, tu es parfait. Merci, Seigneur, pour ce précieux moment. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ta douceur est parfaite. Ton amour est parfait, Jésus, oui, tu es saint. Saint Jésus, oui, tu es.
Peux-tu le déclarer encore avec nous? Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton royaume est parfait. Oui, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Et mon âme t'adore, mon âme t'adore. Que mon âme t'adore en esprit et en vérité ce soir. Je veux me tenir dans ta présence, Seigneur, dans cette présence de vérité, ô Dieu vivant, consciente que c'est une présence qui enseigne, c'est une présence qui transforme, c'est une présence, ô Dieu, qui a le pouvoir de faire de moi une nouvelle personne. Papa, donne-moi de marcher vers la perfection comme toi tu es parfait. Donne-moi de manifester un amour parfait. Donne-moi de manifester une douceur parfaite. Donne-moi de manifester une patience parfaite, ô Dieu. Seigneur, que les mots deviennent des attitudes dans ma vie. Que l'amour devienne une réalité pratique comme tu l'enseignes dans le texte de 1 Corinthiens 13. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ô Père, ma sœur a besoin de toi. Papa, tes filles ont besoin de toi. Ton église a besoin de toi pour faire la différence, Seigneur. Pour montrer une autre facette de la relation homme-femme. Car en toi se trouve le véritable. Tout ce que tu as créé est bon, Papa. Et tu as même dit, c'est parfait. Seigneur, nous voulons manifester ton règne dans nos relations. Alléluia. Mon âme t'adore. Oui, mon âme t'adore. Jésus. Car tu es saint, oui tu es saint, mes pensées t'adorent, Jésus, car tu es saint, oui tu es saint, célèbre Jésus, car tu es saint, oui tu es saint. C'est toi le doux sauveur, c'est toi l'agneau sur le trône, c'est toi le parfait et beau chasse. C'est toi l'agneau sur le trône, c'est toi le doux sauveur, c'est toi le doux sauveur, c'est toi lion de Juda, c'est toi lion de Juda, c'est toi puissant guerrier,
C'est toi qui nous donne la force du buffle, Jésus. C'est toi, Jésus, qui nous donne ton onction, qui nous donne ta capacité. C'est toi qui nous rend fort. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Oh Jésus. C'est toi qui combat pour nous. Alléluia. Oh Père, c'est toi. Nous t'évoquons, Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle de nos vies, Papa. Viens visiter une femme ce soir. Viens transformer une femme ce soir. Viens établir ton règne dans la vie d'une femme ce soir. Seigneur, viens fortifier une femme qui se sentait affaiblie. Viens encourager une femme qui était découragée. Viens redonner de l'espérance à une qui était déçue, ô Dieu vivant. Seigneur, viens, viens être le roi des pensées, le roi de nos actions, Papa, le roi de nos vies, Père. Viens être la lumière qui illumine, ô Dieu vivant, nos sentiers. Seigneur, viens te révéler en une femme. Et viens pour vivre, Seigneur Dieu, dans une femme, Seigneur. Alléluia. Oui, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Alléluia. Par ta puissance, Saint-Esprit, tu fortifies. Par ta puissance, Saint-Esprit, tu transformes. Par ta puissance, tu renouvelles, Saint-Esprit. Par ta puissance, tu capacites, Saint-Esprit. Tu transformes. Par ta puissance, tu guéris. Par ta puissance, tu renouvelles. Par ta puissance, tu guéris, Saint-Esprit. Par ta puissance, tu transformes. Par ta puissance, tu guéris. Par ta puissance, Saint-Esprit, tu renouvelles. Par ta puissance, tu agis. Tu agis. Par ta puissance, tu transformes, tu transformes. Par ta puissance, tu guéris. Par ta puissance, merci pour ton action. Tu renouvelles, Saint-Esprit. Par ta puissance, Esprit de Dieu, tu agis. Que notre roi soit glorifié. Jésus. Que notre roi soit glorifié. Que notre Alléluia, sois bénie, championne du Seigneur, sois bénie, femme héroïne. Ton Dieu est avec toi.
Et même si tu éprouvais quelques difficultés par rapport à ta relation avec les hommes, sache que ce soir, c'est le rendez-vous de ta victoire, c'est le rendez-vous de tes réponses, c'est le rendez-vous de ton épanouissement. Je l'ai donc annoncé en introduction, nous allons parler de relations hommes-femmes et partager à ce propos quelques secrets pour trouver et surtout garder l'équilibre parfait. Oui, c'est pas du tout évident la relation avec les hommes et on dit comme ça que c'est une relation qui est toujours difficile, qui est toujours compliquée. On a du mal à trouver le bonheur, trouver le bon fonctionnement avec les hommes de notre environnement, avec l'homme de notre vie et à le garder parce que beaucoup d'événements, beaucoup de faits, beaucoup de circonstances vont venir mettre à mal cet équilibre qui semblait être trouvé. Effectivement, lorsque les femmes trouvent l'homme de leur vie, elles rêvent toutes de vivre un amour idyllique, une relation sans ombrage avec ce dernier, mais c'est souvent la déception, ou je dirais plutôt, la déception est souvent au rendez-vous. Nous avons toutes rêvé cette relation conte de fées qui finirait par ces mots mythiques « et ils vécurent heureux longtemps et eurent beaucoup d'enfants », mais ce n'est pas toujours le cas. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? J'ai cherché dans la parole de Dieu et le Seigneur m'a conduite vers un verset qui semble-t-il être le responsable de tous nos maux dans nos relations avec les hommes. Tu vas donc prendre ta Bible avec moi et nous allons lire ce merveilleux passage qui est le texte de Genèse 3, le verset 16. Que dit ce texte? Il est dit, il dit à la femme, il parlant de Dieu, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Les filles, j'aimerais que nous puissions prêter attention à la dernière partie de ce verset qui dit « Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Voilà, comme on vient de le lire, cette phrase est tirée de Genèse et le contexte de cette phrase, c'est que l'Éternel Dieu était en train de prononcer une sentence à l'encontre de sa femme, de la femme, suite à sa désobéissance dans le jardin d'Éden. Il s'agit donc bien d'une malédiction qui a pris place parce que la femme a mangé le fruit interdit. Plusieurs parmi nous connaissent ce texte et d'autres ne le connaissent pas, mais vous savez que souvent, on accuse la femme à cause de cette faute dans le jardin d'Éden, de tous les maux de l'humanité. Et quelque part, elle a, elle aussi, pris un contre-coup à travers cette malédiction, cette sanction que le Seigneur a prononcée contre elle. Et de façon pratique, on voit au quotidien, on réalise au quotidien que bien souvent, effectivement, les désirs de la femme sont entièrement portés vers l'homme de sa vie, mais en retour, le bien-aimé domine sur la femme, c'est-à-dire qu'il lui rend une monnaie un peu bizarre de tout l'amour qu'elle lui manifeste. Alors moi, je me suis mise dans la prière, et pendant que je priais, j'ai demandé au Seigneur, en fait, pourquoi est-ce que la gente féminine restait encore soumise à une telle malédiction dans la mesure où cette malédiction est antérieure à la venue du Christ sur la terre. Puisque la parole de Dieu nous dit qu'à travers le Christ et son sacrifice sur la croix, nous avons le pardon
Voilà, le pardon. Et la Bible nous dit clairement aussi que Christ s'est fait malédiction. Il est venu briser toute malédiction afin qu'en lui, nous soyons libres. Donc, logiquement, toutes les femmes qui ont donné leur vie à Jésus, qui s'identifient au sacrifice de Christ, devraient, ma foi, être libérées d'une telle malédiction et être les femmes les plus heureuses en relation amoureuse, être les femmes les plus heureuses en couple ou dans leur foyer. Mais tu es d'accord avec moi que ce n'est pas le cas. Bien souvent, bien qu'étant chrétiennes, nous subissons aussi cette sanction, cette sentence, et nous voyons nos hommes dominer sur nous, c'est-à-dire ne pas forcément prêter attention à tout l'amour que nous leur manifestons, ou ne pas nous rendre l'appareil en termes d'investissement et de déploiement par rapport à la relation qui nous lie à eux. Et tu sais quoi? C'est là où, franchement, le Seigneur m'a épatée. Il m'a donné une réponse qui, j'ai juste envie de dire « waouh ». En tout cas, quand le Seigneur m'a répondu, j'ai dit « waouh » à la place de toutes les femmes. Et tu vas comprendre. Vous savez que toutes les femmes chrétiennes, même quand de façon extérieure, nous refusons d'assumer ou de porter cette erreur de Ève, quelque part dans notre fort intérieur, la culture chrétienne, l'ensemble des enseignements que nous avons l'habitude d'entendre ont quand même réussi à nous faire porter la même culpabilité que Ève et être convaincus que quelque part, nous ne sommes que les filles de notre mère. Et tu ne vas pas me croire, mais clairement, le Seigneur m'a dit non. Il m'a dit non, Liliane. Les femmes de la génération après Christ ne porte pas le péché de Ève. Dis avec moi, waouh, waouh. J'ai dit, Seigneur, explique-moi vite, parce que je veux comprendre. Alors, le Seigneur m'a dit, Ève a péché, elle a reçu une sanction. Et en réalité, c'est la sanction de Dieu ne dit pas « Ève, à cause de toi, toutes les femmes vont subir ceci ou cela. » Il a clairement dit à Ève « À cause de ton péché, toi, Ève, tu seras. » Et le texte le dit clairement. Alors l'Esprit me dit « Dieu s'est adressé à Ève. » Et pendant qu'il s'adressait à Ève, il pensait effectivement à Ève. Donc Ève a péché. Elle a reçu une sanction qui a été prononcée par Dieu. Nous relisons cette sanction dans le texte de Genèse 3:16. Il a dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses ». Bon, les filles, le problème, c'est que nous aussi, quand on doit accoucher, c'est chaud. On souffre, les filles. C'est une affaire même qu'on ne peut pas expliquer. Ensuite, il a dit « Tu enfanteras avec douleur, donc c'est toujours la même histoire d'enfant, de grossesse compliquée, accouchement compliqué, projet compliqué en ce qui concerne les femmes. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Vous voyez les filles, vu comme ça, on a vraiment l'impression d'être les héritières directes de cette malédiction. Mais la vérité, le Seigneur m'a dit non. Il a prononcé une sanction contre Ève et non contre toutes les femmes, génération après génération. Mais, il m'a dit, mais. Alors, ce que le Seigneur m'a dit, c'est que en prononçant la sanction pour le péché de Ève, ce qui s'est passé, c'est que ça a en même temps établi une règle. Dis avec moi une règle. Ève a mangé un fruit interdit ou le fruit interdit. Dieu a prononcé une sanction. En prononçant la sanction, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une règle qui a été établie. Par sa désobéissance, Ève est venue s'aimer
un désordre. Elle a déséquilibré un équilibre qui était établi. Et Dieu lui dit, parce que tu as mangé le fruit interdit, voici les conséquences qui vont s'en découler, voilà, dans ta vie. Alors, les filles, la règle a été posée. Fruit interdit, manger, conséquences, sanctions. Alléluia. La règle a été établie. Un péché, une sanction. Un fruit interdit qui est mangé, un équilibre rompu. Dis avec moi, waouh. Vous savez que c'est connu. Tout équilibre, toute harmonie repose sur des règles. Tout équilibre, toute harmonie va reposer sur des règles. Et dès que une règle d'un équilibre sera rompue, alors tout de suite, l'équilibre aussi sera rompu. Dès que une règle d'une harmonie est rompue, tout de suite, l'équilibre ou l'harmonie est rompu. Vous comprenez donc que les relations hommes-femmes, on leur interdit en fait. Relations hommes-femmes, c'est un équilibre qui doit s'opposer. Et parce que c'est un équilibre, il a aussi ses interdits. Alors, ma chérie, je suis en train de te dire que si ta relation avec ton homme bat de l'aile, si ta vie conjugale est à mal, c'est qu'il y a forcément un équilibre que tu as rompu, ou plus exactement, il y a un fruit interdit que tu as mangé. Dis avec moi, waouh! Eh bien, les filles, c'est aussi simple que ça. Fruit interdit mangé, déséquilibre récolté. Et donc, au point où nous en sommes, en fait, si tu vis une relation conflictuelle avec ton conjoint, si l'équilibre du couple est en train de tanguer, si l'harmonie a été rompue, la vraie question que tu devrais te poser, c'est celle-ci. Quel est le fruit interdit que j'ai mangé? Dis avec moi, quel est le fruit interdit que j'ai mangé? Alors, quand on parle d'interdit, vous savez que ça nous conduit vers un mot que nous connaissons toutes et qui est souvent utilisé, c'est le terme totem. C'est le mot totem. En fait, la relation homme-femme a des totems. Et je sais que tu me poses déjà la question, parce que Liliane, est-ce que tu peux me définir le mot totem? Et si tu t'es posé cette question, tu fais bien, parce qu'en réalité, on a souvent une mauvaise définition du mot totem. Beaucoup pensent savoir ce que ça signifie parce qu'on parle beaucoup de totems dans les cultures, dans nos cultures africaines. En réalité, le terme totem vient des civilisations amérindiennes, mais c'est quelque chose qui est très fréquent dans les cultures africaines et pas toujours selon la bonne définition. En tout cas, je pense que, en fait, ça s'est tiré et par sens élargi, c'est devenu ce que nous connaissons. Mais en réalité, voici la définition du mot totem. Qu'est-ce que c'est qu'un totem? Un totem est par définition un être mythique à l'origine d'un clan dont il est le protecteur et qu'il ne faut pas profaner. Alors donc, le totem, c'est entre guillemets un esprit. Et c'est un esprit qui va donner vie à un clan ou à quelque chose. Et à partir de ce moment-là, il est le protecteur de ce qu'il tient en vie, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Et pour que le totem, en quelque sorte, continue à protéger ce qu'il a créé ou ce à quoi il a donné vie, il faut toujours l'honorer. Alléluia.
Donc, vous voyez que, en fait, le thème totem est un thème positif. Mais bien souvent, on le prend dans un esprit négatif. Donc, un totem a vocation à protéger et à maintenir un équilibre. Donc, si je me résume, lorsque un totem est respecté, l'harmonie et l'équilibre sont maintenus parce que le totem va continuer sa fonction de protection, de sauvegarde de l'entité auquel il donne vie. Alléluia. Alors, par sens élargi, ou je dirais par abus de langage, le totem est donc devenu un principe dont le respect va assurer la survie de la personne qui y est soumise. Donc, au fil du temps, le totem n'a plus été un esprit particulier ou un être en particulier, mais il est devenu un principe. Donc, par exemple, il y a des personnes qui vont dire qu'elles sont leur totem, c'est l'œuf, par exemple. Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans ce sens que les Africains ont pris, mais en fait, si tu veux, un totem, c'est donc un principe dont le respect va assurer la survie d'un équilibre donné. En résumé, ce que tu dois retenir ce soir, c'est que la relation homme-femme a des totems. Et tu ne dois pas manger les totems. Tu ne dois pas manger tes totems. Si tu veux réussir ta relation homme-femme, tu dois savoir, si on retourne dans Genèse, selon les termes du Seigneur, qu'il y a des interdits que tu ne dois pas t'amuser à manger. Dis avec moi, amen. Alors donc ce soir, je ne pourrai pas faire le tour de tous les interdits de l'équilibre homme-femme, mais on va découvrir quelques-uns de ces totems-là et essayer de comprendre en fait comment éviter de manger le fruit interdit ou tout d'abord comprendre en quoi va consister le fait d'avoir mangé le fruit interdit ou d'avoir mangé le totem de la relation. Dis avec moi, amen. Le premier totem de la relation homme-femme, c'est la nécessité de comprendre, d'accepter et d'intégrer les différences hommes-femmes. C'est donc le premier principe qui va assurer la survie de la relation homme-femme. Comprendre et intégrer les différences hommes-femmes. Et oui, je sais que tu le sais, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la création, de toute évidence, l'homme et la femme ne sont pas pareils. La Bible dit que l'homme et la femme sont égaux, mais c'est évident que l'homme et la femme ne sont pas du tout pareils. On a des différences évidentes sur le plan aussi bien physique que psychologique. C'est clair, c'est un fait. L'homme et la femme sont différents. Le problème, c'est que, bien que nous le sachions, beaucoup de femmes n'acceptent pas et n'intègrent pas la réalité de ces différences-là dans leur relation avec les hommes. Alors que comprendre, intégrer et prendre en compte ces différences va assurer le bon équilibre de la relation que nous avons avec nos hommes et tous les autres hommes de notre environnement. Alors, quelles sont les différences hommes-femmes? On va en citer quelques-uns. La première chose, bon, je ne vais pas revenir sur le béaba, évident, l'homme et la femme n'ont pas le même physique. Un homme, c'est un homme, on sait pourquoi. Et une femme, c'est une femme physiquement, on sait aussi pourquoi. Voilà. Donc, c'est le principe. Et nous l'admettons. Après ça, on va aller un peu plus loin et aller sur des choses un peu plus profondes et un peu plus sensibles. Et l'une de ces premières différences, c'est que l'homme et la femme n'ont pas la même vision du monde.
Peut-être que tu as dit « waouh », mais au fond, tu le sais. Voilà, tu l'as constaté, tu le vis au quotidien. C'est la raison pour laquelle tu as l'impression que ton mari, ton chéri, ton fiancé, ton cheminant ne te comprend pas. Il ne te comprend pas. C'est quoi cette histoire? Il ne te comprend pas, simplement parce que vous n'avez pas la même vision du monde. Et si je voulais schématiser, en fait, quelque part, si toi tu vois le monde en rose, il faut être sûr que lui il le voit, dans une autre couleur. Ces gens, quand tu arrives comme ça, je ne sais pas moi, chez toi à la maison, tu vois tout en rose, mais peut-être que quand lui il vient, il voit tout en bleu ou tout en violet, tu vois. On n'a pas la même vision du monde. Et comment est-ce que cela se passe? En fait, l'homme a une vision du monde qu'on va appeler la vision ciblée. L'homme a une vision ciblée du monde et la femme a, par contre, elle, une vision large. Voilà, ça change tout. Et je sais que tous les cadreurs qui sont devant moi en ce moment comprennent exactement de quoi je parle. Prendre, cadrer une image en vision serrée et la cadrer en plan large, ça ne donne pas du tout le même résultat. Alors, vous voyez là où je suis assise, si les cadreurs font un plan large, ce que vous voyez sera différent de s'ils font un plan serré. Et vous voyez que tout au long de l'émission, on oscille plan large, plan serré. Et en fonction du plan qui nous est donné, ce que nous avons le bonheur, l'opportunité de voir n'est pas du tout pareil. Je suppose qu'en ce moment, on est dans un plan serré. Du coup, tu ne me vois que moi et moi seul. Mais quand Léon et son équipe vont passer là, comme tout de suite, en plan large, tu vois que tiens, ben, y a beaucoup de choses dans le décor. Eh bien, c'est comme ça la différence de vision entre l'homme et la femme. Waouh! Je sais que tu es en train de dire, tiens, c'est compliqué. Mais c'est compliqué, bien sûr, parce qu'on n'a pas la même façon de voir. Et donc, je l'ai bien expliqué déjà et tu commences à comprendre ce que cela signifie. La femme a une vision large qui va avoir un effet radar, donc qui va balayer tout son environnement d'un seul coup d'œil, d'une seule pensée. Elle a fait le tour de la situation, elle a vu tout ce qui se passe dans son environnement, pendant que l'homme, au même instant, au même moment, dans le même environnement, il n'aura perçu peut-être que 40% d'informations. Dis avec moi, waouh! Alors, cela a des conséquences pratiques au quotidien. Ça va donner un homme qui aura tendance à se focaliser sur un seul objectif, un seul but en même temps, pendant que la femme va avoir une approche beaucoup plus large et elle sera enclin à embrasser en même temps tout ce qui se trouve dans son environnement. Ça va donner une femme multitâche, capable de gérer plusieurs choses en même temps, de poursuivre plusieurs objectifs en même temps, poursuivre plusieurs lièvres en même temps. Je sais que quand tu commences à imaginer ça, ça paraît impossible et pourtant, c'est ce que tu fais au quotidien. Dis avec moi, amen. Après, je ne sais pas c'est quoi la bonne position. Je pense que tout est bon selon les buts du Seigneur parce que tout ce que Dieu a fait est bon. Il faut qu'il y en ait un qui ait une vision ciblée et un autre qui ait la vision large. Preuve, on a besoin dans cette émission aussi bien de plans serrés que de plans larges. Alors, la vision large donne un certain avantage. Après, comme je dis, ce n'est pas forcément un avantage, mais c'est les qualités de chacun. Alors, la vision ciblée va permettre à la femme d'avoir une vue sur l'avenir. Je crois que de façon pratique au quotidien, vous avez dû le remarquer que votre homme va rester focalisé sur un projet présent pendant que vous, après avoir débattu du projet présent, vous êtes déjà lancé sur l'avenir. Par exemple, si vous avez des enfants qui vont à l'école,
pendant que monsieur est en train de réfléchir comment on commence le CP1 de l'enfant, comment on va gérer le milieu du CP1 et la fin de l'année scolaire, vous, vous êtes déjà sur comment on fait quand il aura l'entrée en sixième, quand il aura le BPC, quand il aura le bac. Pendant que monsieur est encore sur le CP1, il y a longtemps, vous êtes arrivé à l'université. Déjà en train de planifier, d'imaginer dans quelle université l'enfant pourrait aller, comment réunir les ressources, etc. Et en face, vous allez avoir l'impression d'être devant un mur en la personne de l'homme parce qu'il ne comprend pas. Que déjà vous soyez à l'université pendant qu'on est à 12 ans de cet événement. Dis avec moi, waouh! Qualité ou défaut, ça reste à voir. Mais tout ce que Dieu a fait est bon. Alléluia! La femme a une vision large. Et de façon pratique, ça se voit aussi dans comment est-ce que la femme va sortir de la maison. On parle par exemple de l'effet portefeuille, sac à main. Donc vous voyez que, à part cette génération d'hommes que je ne comprends pas, j'avoue, ils vont nous expliquer en général. Sinon, en principe, à la base, les hommes sortent avec un portefeuille qui contient l'essentiel, leurs pièces d'identité, les quelques billets dont ils ont besoin pour la sortie ou pour la journée, pendant que la femme va s'encombrer d'un gros sac à main qui va contenir mille et une choses. Parce que, justement, elle est prévoyante, elle ne sait pas ce qu'elle va trouver dans la journée, elle se dit « tout est possible, j'aurai peut-être besoin de me remaquiller, de me repeigner, de coudre un bouton qui va tomber, etc. » et du coup, on trouve tout dans le sac de la femme. Dis avec moi, waouh! Mais n'empêche qu'en commentaire, on va laisser une question aux hommes. Les hommes qui ont les sacs aujourd'hui, dites-nous, il y a quoi dedans? Amen! J'ai quelques réponses déjà ici. Je pense qu'il y a de la technologie, c'est ça? Des caméras, des... Bon, ok. Répondez en ligne. Alléluia! Alors, donc, vous voyez que la différence, elle est plantée. On peut en débattre pendant longtemps. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est de définir par rapport à cette différence, en quoi va consister l'interdit ici. Pour toi, ma chérie, qui désire sauver, sinon même trouver d'abord et maintenir, sauver l'équilibre avec ton homme bien-aimé. Ici, manger le fruit interdit va consister à exiger de l'homme qu'il se disperse, qu'il disperse son énergie et se focalise en même temps sur plusieurs choses. C'est l'interdit. Alors, comment cela va se manifester de façon pratique? Par exemple, tu vas exiger de lui qu'il fasse des courses sans fin. Hein, passer toute une journée à faire des courses en un pas fini, en flânant d'un magasin à un autre, d'une boutique à une autre. Tu sais très bien que quand les hommes ont des besoins, ils ont une réaction ciblée pile à la boutique qu'il leur faut, pile prendre ce qu'il leur faut et sortir, retour à la maison, point final. Tu sais bien que nous, c'est différent. Par exemple, ce serait d'exiger de lui qu'il réponde à une de tes préoccupations pendant qu'il est occupé à une autre chose ou qu'il est au téléphone avec quelqu'un. En fait, tu lui demandes de disperser son attention. Dis avec moi, interdit. Alléluia. Ou alors, tu vas lui demander d'avoir avec toi une conversation plus ou moins intime pendant qu'il est occupé à suivre, par exemple, son émission préférée à la télé, sport, information, émission de high-tech, ou j'en passe, en tout cas, dans tous les cas, son émission préférée. Pendant que lui, il est sur ça, toi, tu veux lui parler des factures, de l'école des enfants ou de ce que tu as vécu dans la journée. Dis avec moi, interdit. Interdit. Et puis, il y a un autre. Une autre façon de manifester l'interdit, par exemple, c'est exiger de ton chéri qu'il s'occupe, par exemple, en plus de toi, de ta maman, donc de sa belle-mère et de toute la famille. Dis avec moi, interdit. C'est vrai, c'est quelque chose que toi, tu fais à merveille.
justement parce que tu as une vision large de la vie. Alléluia. Donc, interdit, si tu exiges ça de ton conjoint, tu seras en train de manger le fruit interdit qui va venir mettre à mal votre relation, l'équilibre que vous aviez réussi à trouver, l'équilibre amoureux que vous aviez réussi à trouver. Alors, en quoi va consister le respect du totem ici? Ici, respecter le totem va consister donc à éviter de solliciter les hommes de ton environnement ou l'homme de ta vie lorsqu'ils sont occupés. Tu vois, lorsqu'ils sont occupés, ne leur exige pas leur attention. Mais si, à l'instant précis, cette attention est vraiment nécessaire, alors la solution que je te donne, c'est de solliciter gentiment cette attention en t'excusant et en utilisant des mots agréables, des mots valorisants. Tu vois de quoi je parle? Donc, la partie où tu vas venir taper dans son dos, chérie, mais je te parle là, tu ne comprends pas, tu as échoué en même temps, dis avec moi interdit. Interdit, tu auras mangé le totem. Alléluia. Voilà, donc, voilà comment ça va se manifester. Et respecter l'interdit va consister aussi à éviter, évidemment, de l'entraîner dans des longues balades sans but. Ça va consister aussi à éviter, donc, en gros, de lui faire perdre son temps. Et puis, ça va consister à éviter de te fâcher lorsque il ne t'accorde pas l'attention que tu sollicites parce qu'il est occupé ailleurs ou lorsque tout simplement il ne s'occupe pas ni de sa belle-mère ni de sa belle-famille. Hello! Amen. On continue. Deuxième point. Alors, deuxième totem qui va venir soutenir l'équilibre de la relation homme-femme, ça sera de comprendre et d'intégrer la différence des codes de communication entre hommes et femmes. Et oui, les hommes et les femmes n'ont pas le même langage. Et ça fait l'objet d'un best-seller. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, de John Gray, je crois bien. Il a clairement expliqué dans cet ouvrage que je voudrais t'encourager à lire. Ce n'est pas la Bible, mais c'est un ouvrage de formation et d'information qui va te faire beaucoup de bien. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. En fait, schématiquement, il était en train de dire que les hommes viennent d'une contrée où on parle le Mars. En tout cas, ils viennent de Mars, ils ont leur dialecte. Et puis les femmes aussi viennent de Vénus. Là-bas aussi, on a son dialecte. Et vous avez remarqué que lorsque les deux se retrouvent, il y a une petite cacophonie. On a quelques difficultés à se comprendre parce qu'on n'a pas tout à fait le même langage. Comment est-ce que cela se manifeste de façon pratique? De façon pratique, en fait, c'est qu'en communiquant, les hommes vont avoir tendance à donner des informations pendant que les femmes vont exprimer des émotions. Je ne suis pas en train de dire que tu ne comprends pas français, ou tu ne comprends pas anglais, ou tu ne comprends pas baoulé. Ce qui est sûr, dans le fond de la communication, les hommes vont donner des informations pendant que nous, les femmes, on va communiquer des émotions. Et c'est quelque chose dont on parle souvent. Je ne vais pas revenir dessus. Du coup, les mêmes mots ne vont pas avoir le même sens. Par exemple, si une femme dit à son mari « on ne sort jamais », pour elle, ça signifie « chérie, je veux sortir aujourd'hui, est-ce que tu peux m'emmener ?» Ça signifie « Jean, on n'est pas trop sorti ces derniers temps ». Mais pour lui, c'est une information à la lettre. Ça signifie que tu es en train de lui dire qu'il ne te fait jamais, il ne t'a jamais, jamais de la vie fait sortir. Tu imagines que tout de suite, l'équilibre va se rompre parce qu'il sera choqué
il sera déçu de ce que tu es en train de lui dire, puisque il y a deux mois, même s'il y a deux mois, vous êtes quand même sortis. Alors, tu vois que le problème de langage, il est très important. Deuxième chose qu'on va observer dans la différence de langage, c'est que les hommes, en parlant, vont chercher à régler, à résoudre les problèmes de leur femme, pendant que la femme, lorsqu'elle parle, donc on parle là du fait de parler d'un problème donné, en parlant de ce problème, la femme, elle ne cherche pas en fait des solutions, elle est en train juste de partager, en fait, elle veut juste partager ce qu'elle a vécu. Et l'homme, en retour, lui, il comprend qu'elle cherche des solutions. Alors que simplement, elle a juste envie de causer. La solution, on va réfléchir après. Et si ça se trouve même, elle a déjà la solution. Donc, elle n'a pas besoin que tu lui donnes la solution. Dis avec moi, différence de langage. Il y a beaucoup de choses et je sais que toi-même, tu peux énumérer les exemples, tu peux même les énumérer dans le chat. Mais en quoi va consister ici le fruit interdit? Manger le fruit interdit ici va consister à vouloir établir une communication avec son homme à sa propre sauce. C'est-à-dire, ce sera de faire fi de la réalité de la différence de langage et vouloir absolument communiquer en se disant que forcément il nous comprend dans notre langage et on ne veut utiliser que son propre langage. C'est un interdit. Un autre interdit va consister à parler sans arrêt dans la relation. Si tu es une femme qui parle sans arrêt, tout le temps en train de parler. En fait, on a dit que les hommes, ils parlent pour donner des informations. Donc, les discours fleuves, ça ne les arrange pas. Dis avec moi, interdit. L'interdit ici va consister aussi à utiliser des mots durs quand on est en colère, quand on n'est pas contente. Donc, tu vas utiliser des mots durs, des mots tendancieux. Et toi, tu te dis, non, c'est genre, toi, tu comprends ce que tu es en train de dire, c'est pas si grave. Mais il faut savoir que ton chéri va les prendre au pied de la lettre. Et ce que tu auras dit, c'est ce qui te sera décompté pour ce que ça signifie dans la langue des Martiens. L'interdit va consister aussi à attendre de son homme qu'il exprime sans arrêt ses sentiments par des mots. Donc, il y a des femmes qui ont toujours besoin d'entendre leur chéri leur dire « Je t'aime, tu es la meilleure, tu es la plus belle. » Non, franchement, on en rêve toutes. Hein. Mais si c'est ce que tu attends, tu es déjà dans l'interdit et la relation sera à mal. Parce que tu es en train de manger un totem de la relation. Tu es en train de bafouer un totem de la relation. En quoi va consister le fait de respecter le totem ici, donc le principe qui apporte la vie à la relation? Ça va consister, par exemple, à limiter les longs prologues avec l'homme de sa vie ou tous les hommes de son environnement. Tu vois, il faut limiter les discours qui ne finissent pas. Tu as commencé à parler à 14h, il est 18h, tu n'as pas encore fini. Dis avec moi, danger. Danger. Tu vas voir que le lendemain, il va rentrer à 1h du matin, qu'il est su que tu dors et qu'il n'y a plus aucun son qui sort de ta bouche, si ce n'est le son de ta respiration. Respecter le totem va consister aussi à éviter les colères qui s'expriment par des mots. Tu vois, donc si tu te lances dans des envolées lyriques colériques, alors tu vas déséquilibrer l'équilibre qui avait été trouvé, l'harmonie qui avait été établie, même si l'homme de ta vie est fou amoureux de toi. Respecter le totem va consister ici, encore une fois, à croire en l'amour et en la considération de ton homme, même sans mots. Même sans mots. Même quand il ne parle pas, il faut être sûr qu'il t'aime. Il faut être sûr qu'il veut ton bien. Même quand il est silencieux, il t'aime quand même. Tu vois, non? La partie où K.S. Bloom dit,
on t'aime quand même, on t'aime quand même, on t'aime, il t'aime quand même. Je sais que les hommes vont m'applaudir aujourd'hui. Maman Lily dit tout. Il t'aime quand même, ma chérie, il t'aime. Il parle pas, il dit pas je t'aime tous les jours. Vous voyez, il y a des femmes qui ont constamment besoin d'être rassurées. Tous les jours, le gars n'a qu'à leur dire je t'aime bébé, tu es la plus belle, tu es la plus forte. Même s'il ne te dit pas ça, il t'aime quand même. Et toi-même, tu sais que tu es positionné en pole position. Ou bien, dis avec moi, ou bien. Voilà, donc ça, c'est le troisième élément, le troisième totem qu'il faut connaître. C'est la différence de code de communication, de langage entre l'homme et la femme. Et je vais rapidement aller sur le troisième totem. Le troisième élément, c'est qu'il est important de savoir que les hommes et les femmes ont des tendances et des habitudes complètement différentes. Complètement différentes. C'est pour ça qu'il y a les hommes d'un côté et les femmes d'un côté. Les hommes et les femmes, ma chérie, n'ont pas les mêmes habitudes. Et comment est-ce que cela s'exprime dans le quotidien? Dans le quotidien, tu vas remarquer, par exemple, que l'homme de ta vie a une tendance à la stabilité. En fait, les hommes recherchent la stabilité et la conformité. Waouh, c'est trop compliqué à comprendre. Non, pas du tout. Tu le vis au quotidien, tu vois. Les hommes, ils aiment la stabilité, la conformité. Tu vois, non, la sauce d'umblé, il mangeait chez sa maman avant, là. C'est ça, il veut. Tu vois, tes histoires de salade mexicaine, c'est trop compliqué pour lui. Envoie sa sauce. S'il mangeait poulet frites ou bien frites moules chez sa maman, c'est ça, il veut. C'est son bonheur n'est pas plus loin que ça. A contrario, les femmes aiment les transformations et les changements. Elles vont avoir une tendance à la transformation et au changement. Elles veulent changer les choses, changer l'homme, changer le décor, changer sa façon de s'habiller, sa façon de marcher, changer, changer, changer. Donc, dis avec moi, clash. Clash. Il y a des femmes qui ne comprennent pas comment on est dans cette maison depuis 25 ans. La peinture n'a pas été faite, mais ça ne lui dit rien. Ma chérie, ça ne va rien lui dire. Il faut faire ta peinture. Voilà, il faut faire ta peinture. Sinon, tu vas t'aigrir pour rien. Tu vas te fatiguer pour rien. Tu vois, toi, tu penses qu'il voile. Il est comme toi. Lui, le changement, le faire peau neuve. Tu penses qu'il pense comme toi. Il ne pense pas comme toi. Stabilité, conformité, ça lui suffit. Alors, deuxième chose, dans la différence de comportement, c'est que les hommes aiment se relaxer après l'effort. Tandis que les femmes savent rester actives presque sans discontinuer. Dis avec moi, waouh! Je sais que tu as envie de dire, hey, malgré leurs muscles, leur force, leur fanga, là, c'est comme ça. Ils ont la force, mais après l'effort, un peu de repos, c'est pas trop demandé. C'est un repos mérité, bien gagné, et ils s'attendent à ce que tu les laisses se relaxer. Tu vois, la partie où toi, ta liste, ta to-do list de la journée n'a pas de point final, ils ne sont pas comme ça. Tu vois, pour eux, là, trois éléments sur la to-do list, point final pour la journée. Mais toi, boulot, d'abord, le matin, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Avant de quitter la maison, hein, tu as au moins 10 tâches. Après, tu vas au boulot. Quand tu reviens du boulot, il faut rendre visite aux cousins. Il faut aller saluer un tel qui a perdu son père. Il faut s'occuper de faire réviser les enfants. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Quand ton chéri, lui, il arrive du travail, il cherche son canapé. Tu vois, et toi, tu ne comprends pas. Mais et les enfants, qui va les faire réviser? Et quand tu commences à dire ça, là, tu as remarqué que son visage a changé. Les sourcils se sont froncés. Et si tu n'y prends garde, il y a longtemps, il a pris son portefeuille, il est sorti. Dis avec moi, danger. Donc, les femmes savent rester actives de façon discontinue. Les hommes ont besoin de temps de pause, de temps de relaxation après l'effort. Un autre point, c'est que les hommes ont besoin de se renfermer pour gérer leur stress, tandis que les femmes ont besoin de socialiser pour gérer leur stress.
En termes simples, ça veut dire que quand quelque chose les embête, les fatigue, quand ils ont des défis, des challenges, ils vont avoir tendance à se retirer. John Gray parle de la caverne des hommes, tandis que la femme, quand ça chauffe, c'est là même, elle cherche les copines, elle cherche le mari, elle cherche la grand-mère, elle cherche la voisine du quartier. Ça dit que quand il y a le feu, elle, il faut qu'il y ait du monde. Beaucoup de pompiers, c'est pas mauvais. Tu comprends? Différence de comportement, d'attitude. Dis avec moi, danger. Alors, en quoi va consister le fait de manger le fruit interdit ici? Ici, manger le fruit interdit va consister à vouloir changer son homme coûte que coûte. Il doit changer de look. Il doit changer de façon de marcher. Il doit changer de régime alimentaire. Il doit changer. Dis avec moi, interdit. L'interdit va consister aussi à vouloir absolument maintenir son homme en situation de flux tendu. Pas de relaxation, pas de repos tant qu'il y a quelque chose à faire. Dis avec moi, interdit, ça ne marche pas. Si tu attends ça de ton homme ou même des hommes de ton environnement, même les hommes avec lesquels tu travailles, tu vas créer des clashs et ils vont commencer à t'éviter. Tu es trop lourde pour eux, tu es trop affairée pour eux. Ils vont chercher la tangente. Par exemple, ça va consister aussi à empêcher l'homme de se replier quand il en a besoin. L'empêcher de se replier, d'entrer dans sa caverne, comme vous le savez, c'est un terme que vous connaissez. Donc, en empêchant ton homme d'avoir des moments de repli, tu es en train de manger le fruit interdit. En quoi va consister le fait de respecter le totem ici? Ça va consister d'abord à accepter l'autre pour ses spécificités, qualités comme défauts. Si tu vis avec un homme, si tu es marié à un homme, il faut absolument que tu commences par l'accepter comme il est. C'est le gage de l'équilibre. Dès que tu n'as pas réussi cet exercice, tu peux être sûr que l'équilibre sera toujours à mal. Tu devras aussi... effectivement, s'il y a des choses à changer, parce qu'en réalité, il peut y avoir des choses à changer. S'il y a des choses à changer, alors tu vas devoir emmener le changement avec souplesse, douceur, patience et délicatesse. Douceur, patience, souplesse, délicatesse, si tu veux changer un élément dans la vie d'un homme. Ici, la prière, bien sûr, la prière, c'est toujours notre allié, mais dans ce point-ci-là, la prière sera ton meilleur allié. Parce qu'au fond, finalement, seul le Créateur aura le pouvoir de changer sa créature, ton chéri. Dis avec moi, amen. Respecter le totem va être aussi, va se manifester par le fait d'être consciente de ses propres limites et de ses défauts. Il faut que tu sois consciente que toi aussi, tu n'es pas parfaite. Tu sais, les hommes ne parlent pas toujours, mais bien souvent, dans la vie de leurs épouses ou des femmes de leur environnement, il y a des choses qu'ils n'apprécient pas forcément. Ne va pas t'imaginer que tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu transportes, tout ce que tu emmènes, ils aiment. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils aiment tout. C'est juste qu'ils ne parlent pas. Donc, toi-même, tu dois être consciente que tu as tes défauts, tu as tes limites, mais malgré ça, ils t'aiment quand même, ils t'aiment quand même, ils t'aiment quand même, ils t'aiment quand même. Tu vois, non? Ils t'aiment quand même. Donc, toi aussi, doucement. Et puis, je vais donner un dernier point et on va arrêter là. Pour sauver l'équilibre, il y a un élément qui est très, très important. C'est le fait d'accepter que l'homme entre dans sa caverne pour le temps dont il a besoin. Quand l'homme n'a pas envie de communiquer, il n'a pas envie de partager, il n'a pas envie d'être avec toi, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime plus. Il a juste envie pour un temps d'entrer dans sa caverne. Le temps que ça prend, ça diffère d'un homme à l'autre. Alors, respecter ce totem va consister pour toi à le laisser entrer dans sa caverne et surtout à développer ton propre espace vital. Et cette vérité, on la retrouve dans la vie de notre héroïne Esther. Et je vais finir avec ça.
quand on lit l'histoire de Esther, lorsque Mardochée a demandé à Esther d'aller rencontrer le roi Assyrus pour demander le salut des Juifs, il y a une réponse que Esther a donnée. Les filles, vous devez méditer sur cette réponse. Esther, la reine, la préférée, le joyau de Assyrus, a donné cette réponse. Elle a dit, ça fait déjà plusieurs mois que je ne suis pas parue dans la présence du roi. Et je ne sais pas ce qu'il va me faire si j'arrive là-bas sans invitation. Les filles, dites avec moi, méditation. Méditation. Esther, plusieurs mois sans voir Assyrus. Assyrus était dans sa caverne. Donc Esther n'était pas à la porte de la caverne. Chérie, tu es où? Ouvre-moi. Chérie, tu ne veux pas me parler. Je t'ai fait quoi? Non, Esther était dans son palais, organisant sa propre vie, gérant ses propres affaires. Et c'est comme ça qu'elle a pu faire ses 3 jours de jeûne d'Esther sans problème. Donc quand le monsieur est dans sa caverne, dis avec moi, à nous aller la liberté. Ça y est, on va sortir entre copines, on va faire ce qu'on a envie de faire, on va... Gère-toi, développe ton espace vital, aie tes propres amis, tes propres activités. Quand il rentre dans sa caverne, tu prends la ville. Pas pour faire des mauvaises choses, les chéris, hein. Pour faire des choses constructives, on est bien d'accord. Jeûne, prière, venir aux réunions de l'église, tu vois, non? Donc, il y a des saisons où, en tant que femme, tu as de la liberté et tu dois saisir cette liberté avec bonheur parce qu'il y va de l'équilibre. Esther était menacée de mort si elle rentrait dans la présence d'Assyrus sans y avoir été invitée. Beaucoup de femmes sont pendues au pilori, beaucoup de femmes tuent leurs relations, beaucoup de femmes sont vilipendées parce qu'elles forcent la caverne de leur chéri, de leur doudou bien-aimé. Si tu as bien compris tout ça avec moi, tu vas acclamer le Seigneur parce que je suis sûre que ce soir, tu as reçu des secrets incroyables pour saisir l'équilibre, l'harmonie avec ton conjoint, avec tous les hommes de ton environnement et surtout à préserver cet équilibre et à l'emmener à la perfection. On va donc baisser les têtes et prier. Je sais que nous n'avons pas toujours été OK avec tous ces interdits, tous ces totems. Nous avons mangé beaucoup de fruits interdits et moi-même qui vous parle, je suis aussi victime de ce dysfonctionnement. J'ai quelquefois mangé le fruit interdit et j'ai vu effectivement l'équilibre être mis à mal, j'ai vu l'équilibre tanguer, j'ai vu l'harmonie prendre un coup, mais en revenant au Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a éclairé, j'ai fait mon mea culpa chaque fois et par la grâce de Dieu, chaque fois l'équilibre est rétabli. Le Seigneur t'offre à toi aussi la possibilité, l'opportunité de construire une relation solide, un équilibre parfait avec l'homme de ta vie. Vous ne vous êtes pas mis ensemble pour autre chose que l'amour. Vous vous aimez, c'est sûr. Vous vous appréciez, c'est sûr. Maintenant, il faut sauver cet équilibre et l'emmener à la perfection selon l'Esprit de Dieu. Ton amour doit être parfait. Et l'amour parfait ne s'écrit pas à ta sauce. Ta gestion de ta maison, de ton foyer, doit tendre vers la perfection. Et cela ne prend pas en compte tes besoins à toi seul. Il y a les besoins de ton conjoint, il y a ses réalités, il y a la réalité des relations hommes-femmes, des différences hommes-femmes. Tu dois en tenir compte. Et alors, tu verras que la gloire de Dieu va inonder ton foyer. On a dit que la relation homme-femme est trop compliquée, trop délicate. Et si c'était simplement une affaire de fruits interdits que tu manges trop souvent? Et si c'était simplement des totems que tu ne respectes pas? L'opportunité t'est donnée aujourd'hui de changer et de bâtir une nouvelle relation victorieuse, plus que victorieuse avec les hommes de ta vie. On va baisser les têtes et on va commencer par un moment de repentance. Tu vas demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu n'as pas été OK avec toutes ces choses que nous avons dites et bien d'autres choses que toi-même tu sais. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur
et dis à Dieu, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai manqué, où j'ai mangé le fruit interdit. Alors, j'ai vu mon mari dominer sur moi. J'ai vu les hommes de mon environnement dominer sur moi, alors que mon intention profonde, mon cœur était dirigé vers lui, vers eux. Seigneur, c'est simplement parce que j'avais fait entrer le fruit interdit dans ma bouche et dans mes habitudes, dans mes gestes. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. À l'instant précis, je sais que le Saint-Esprit te montre des défaillances, te montre le panier de fruits interdits qui se trouve dans ta maison. Débarrasse-toi de ce panier. Débarrasse-toi de cette salade de fruits. Débarrasse-toi de cette salade de fruits interdits et tu verras la gloire de Dieu. Tu vas aussi prier pour demander au Seigneur de te donner la force, de comprendre profondément tous ces points qui ont été évoqués et surtout de les intégrer et de mettre en pratique cette connaissance. La parole de Dieu pouvait dire dans Osée, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Aujourd'hui, que Dieu a révélé à ton cœur ces points, tu vas maintenant les mettre en pratique et la connaissance va venir illuminer ta relation. La connaissance va venir fortifier ta relation avec ton homme. Ton Dieu est avec toi, il est pour toi. Peut-être que tu as l'article du divorce, à la porte du divorce, à la porte de quitter ton mari parce que tu te dis, il ne me comprend pas, il ne m'aime plus, il ne prend pas soin de moi. Essaye seulement de réviser ces quelques points que nous avons partagés. Et si le panier de fruits interdits se trouve dans ta vie, prends sur toi de l'enlever et tu verras que la maison s'illuminera à nouveau de lumière, de rire, de complicité et de toutes ces choses qui ont fait la beauté de votre relation dès le début. Alléluia. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Tu vas chanter ce cantique avec Olivia, Fabrice et moi. Dis-le de tout ton cœur, parce que ton Dieu est parfait. Il a le pouvoir de te rendre parfaite. Il a le pouvoir de changer ta situation. Il a le pouvoir de renouveler toutes choses. Oh, élève les mains et prononce les paroles de ce cantique. Alléluia. Ton amour est parfait. Tu es saint, Jésus. Oui, tu es saint. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, tu es saint, oui, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Et mon âme t'adore, mon âme t'adore. Oh, mon Jésus, Jésus, car tu es saint, car tu es saint. Oui, tu es saint, Seigneur. Oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Car tu es saint. Car tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu. Mes pensées t'adorent, Seigneur. Mes pensées. Oh mon Jésus, oh mon Jésus, Jésus, car tu es saint, oui tu es saint. Tu
vas acclamer le Seigneur avec moi. Champion du Seigneur, femme extraordinaire, héroïne, ta vie est une vie de bénédiction, c'est une vie de faveur. Ton Dieu a des projets de bonheur, des projets de réussite, des projets d'épanouissement pour toi. Et je suis sûre que à partir de ce soir, ta relation avec l'homme de ta vie et tous les hommes de ton environnement vont entrer dans un équilibre parfait. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu as été béni, tu vas acclamer encore une fois le Seigneur qui te reçoit dans cette chambre des secrets et qui t'ouvre son cœur. Et parce que nous ne pouvons pas venir dans la présence du Seigneur sans lui manifester aussi notre action de grâce, nos remerciements et notre amour, nous allons apporter une offrande pour dire merci au Seigneur pour cette bénédiction de ce soir. Tu vas donc faire une offrande à Secret de Femmes. Oui, fais une offrande à Secret de Femmes pour que nous puissions continuer à entretenir la chambre des secrets. Et c'est en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. Si tu es dans cette chambre avec moi, tu vas faire ton offrande dans le panier que AP Josiane te présente parce que la chambre des secrets a besoin d'être entretenue. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cet excellent moment que nous avons passé dans sa présence. Et avant de nous séparer, je voudrais nous donner quelques annonces. Je nous encourage à suivre sur mes pages en ligne, sur mes pages Facebook, YouTube et autres, le Réveil des héroïnes tous les lundis matin à 8h30 GMT. Pour suivre les petites capsules d'encouragement qui sont mises en ligne pour les héroïnes que nous sommes. Et puis, au niveau du ministère Message de Vie, nous nous préparons pour une croisade extraordinaire. C'est la campagne de In Liberia. In Liberia, c'est une croisade du ministère Message de Vie qui va avoir lieu du 10 au 27 novembre au Liberia. Nous avons fait le lancement et tout le pays du Liberia attend tous les missionnaires que nous sommes à travers le monde entier. Tu peux rejoindre cette croisade en participant soit par la prière, soit en envoyant une offrande, soit en te déplaçant jusqu'au Liberia avec toutes les équipes de missionnaires. Je serai moi-même de la partie, donc j'invite les femmes du monde entier à venir participer à ce moment de gloire où Dieu, le Seigneur Jésus, va restaurer au travers de la prière et des actions prophétiques, le merveilleux pays du Liberia. Et puis, avant de terminer, je voudrais donner cette information qu'à partir de la semaine prochaine, je vais lancer un challenge, dis avec moi, challenge. Si tu es inhabitué de la chambre des secrets, ce challenge est pour toi. Alors, la semaine prochaine, le challenge sera diffusé et j'attends que toutes les femmes de la chambre des secrets et toutes les autres, nous puissions relever cet extraordinaire défi qui sera un moment pour nous pour réexprimer notre attachement au Seigneur, pour réaffirmer que nous sommes des femmes extraordinaires et rien d'autre, des championnes, et pour aussi prendre du plaisir à être des filles de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est fini aujourd'hui pour la Chambre des Secrets. Que Dieu te bénisse. À la semaine prochaine.